Marseille. Voilà. Et avec réveil à 7h. Parce qu'il y a la valise, il y a le petit déjeuner, voilà. 7h réveil, 8h30, on part avec toutes nos affaires. Comme ce matin. Comme ce matin. Le petit déjeuner, a priori, c'est à partir de 7h. Voilà. Dans le même niveau de la réception. Le même niveau de réception. Voilà. Le météo. Demain, bon pluie, déjà comme là, et c'est vrai que, mais je pense, à partir de ce soir, il y a le vent qui arrive. Comme ça, ça dégage un peu. Voilà, le ciel. Voilà. Et la température, ça reste comme aujourd'hui. Ah, il fait un peu tout, parfois, voilà, ça va. Et Shanghai, c'est la même température. Parce que demain, la matinée, on va rester sur Suzhou pour visiter le jardin, le plus connu de la ville même, en Chine, à le maître défilé. Un petit jardin, environ 5 hectares. C'est très reposant. Voilà. Et après, c'est la route pour Shanghai. Ici, Shanghai, environ 100 km. Il faut compter à peu près 1h30 de route. C'est comme on fait Pékin-La Muraille. Mais c'est notre route. En arrivant à Shanghai, on va déjeuner. Et l'après-midi, je pense qu'on va visiter un musée, voilà, etc. Et après-demain, on a encore une journée entière sur la ville. Il y a le jardin, notre jardin à Shanghai. Il y a le temple, le premier temple bouddhiste qu'on visite en Chine. En effet, on visite que deux pendant le parcours. Pour les amis qui ont fait le Sri Lanka, Thaïlande, c'est 3 temples par jour. Vous connaissez par cœur le Bouddha, debout, couché, genou. Non, chez nous, non. Après-demain, on va voir un joli temple qui s'appelle le temple du Bouddha en jade. Parce qu'il y a très très gros Bouddha en jade dans ce temple. C'est l'une trésor de la ville. C'est magnifique. Voilà. Bien sûr, vous auriez le quartier libre. Sur la rue Nankin, à la vieille ville. Voilà, on va voir aussi la soirée. Et c'est après-demain soir qu'on va admirer le spectacle, le cirque de Shanghai. Voilà, c'est après-demain soir. Et après c'est l'avion. En effet, on a fait le train. Voilà, et il nous reste 3 vols intérieurs à prendre. Ils sont tous les vols du matin. Voilà, comme ça, ça nous permet d'avoir presque la journée. Si on prend un vol, par exemple, à 10h ou midi, comme ça la journée est presque foutue. Il faut 2 heures à l'avance pour sortir, pour occuper les bagages. C'est souvent le vol du matin. Mais les horaires à confirmer. Une fois je serai sur Shanghai, je vais voir tous les tickets. Parce que maintenant, c'est les tickets électroniques. Comme chez vous, hein, c'est pareil. C'est pareil. Voilà, il n'y a plus de trucs à papier. Bon. Et comme à Pékin, une fois on arrive, j'ai besoin de votre passeport pour check-in et chambre. Voilà. Ah oui, là, on l'a pas vu. Ah oui, c'est un petit peu.
Là, c'est les canards qu'on était tout à l'heure. Oui, oui. Vous vous rappelez le serpent, hein? Oui, oui, oui. Voilà, le gros serpent à l'aluminium. Oui, oui. Non, on est pas chez vous. Ah, vous l'avez dans le château? Oui, oui, oui. Tous ces lampes rouges, ça, c'est spécialement pour la fête. Ah, oui. Voilà. Mais en général, il n'y a jamais autant de lumière. Ça, c'est pour les travaux de l'agence. Tout ça. Mais oui. Ça, c'est à droite, ça, c'est la gare de chemin de fer. Les travaux, pas encore terminés. Parce qu'à Suzhou, il y a deux cars. On est arrivé à la gare du Nord de Suzhou. Mais ici, c'est plutôt la gare du Sud. Thank you.